Et bonjour les gens, c'est Shock52, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la guêpe. Janet Van Dyne, de son vrai nom, est apparue pour la première fois dans Tales to Astonish numéro 44, sorti en juin 1963. Après l'assassinat de son père par un extraterrestre, Janet était déterminée à traîner cet assassin en justice. Impressionné par cette détermination, Hank Pym lui révéla son identité secrète de l'homme fourmi. Il lui a doté de super pouvoirs pour l'aider à combattre le crime. Janet a accepté et est devenue la guêpe. Hank lui a appris à utiliser les particules Pym qui permettent de rapetisser et de reprendre sa taille normale. Il lui a aussi implanté dans les omoplates des cellules lui permettant de se faire pousser des ailes lorsqu'elle atteignait la taille d'un insecte. Tous deux sont tombés amoureux l'un de l'autre. Lorsque les super-héros se sont regroupés pour la première fois, c'est Janet qui a proposé le nom de Avengers. Plus tard, elle a épousé Hank Pym qui avait adopté l'identité du Yellow Jacket, mais il ne tarde pas à divorcer car Janet ne pouvait plus supporter les changements d'humeur violents de son mari. Pendant l'invasion secrète, elle est choquée d'apprendre qu'un Skrull remplace Pym depuis plusieurs mois. Une fois la reine Skrull tuée, le Pym Skrull transforme la guêpe en une bombe vivante à croissance rapide et tord la tuer pour l'empêcher d'exploser. Depuis la mort de Janet, Pym a pris le nom de la guêpe pour honorer la mémoire de sa femme. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres idées de sujet, faites-le moi savoir en commentaire. Sur ce, tu peux laisser un j'aime, tu peux t'abonner, me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, ciao!